It's really important to understand who these groups are and who's funding them. So doing tracking across national, regional, and global levels of who these anti-rights, anti-gender groups are, where their funding is coming from, because it really demonstrates what their overall objective is, and are essentially fighting to maintain structures of power that privilege a very small group of people above the oppression of the overall majority of the world. And then I think it's important to understand why some of their narratives still resonate with certain countries or with certain populations. And that's because there is an element of hypocrisy between SRHR champion countries who then don't necessarily champion in the same way the priorities of countries that are still developing in terms of economic, social, cultural rights, and development. A lot of times you see the narrative that SRHR is not as important as something like access to food or access to water coming from these anti-rights groups, when in fact, you cannot have sexual reproductive health if you don't have access to clean water or access to food or to decent wages. So I think it's really important that we push Global North countries to recognize that human rights are human rights and there is no hierarchy, and SRHR and development are intricately linked and go hand in hand and are not opposing narratives. And it's really essential that Global North countries support progress in that way and recognize that these things have to go together. Les associations avec les mouvements féministes sont également au cœur de toutes les luttes en faveur des droits humains et pour le respect de la démocratie. Elles sont véritablement la force motrice de changements sociétaux en profondeur et se retrouvent pour cela en première ligne des attaques des gouvernements conservateurs et des mouvements anti-choix. Et en fait, ce backlash, il va non seulement avoir pour impact de faire régresser significativement les droits des femmes et les droits des personnes LGBT, mais il va rendre difficile, voire dangereux, le travail des féministes sur le terrain. Ce backlash va également avoir pour impact de limiter leur accès à des financements pérennes. Fort de ce constat, nous devons contribuer au renforcement de la durabilité et de la résilience de ces mouvements féministes. Cela passe notamment par l'augmentation substantielle de soutien financier aux associations et aux mouvements féministes, tels que nous souhaitons qu'elles gagnent. Donc ça veut dire les financer dans une large diversité, à travers une approche intersectionnelle et décoloniale, selon leur axe prioritaire identifié, mais également à travers des mécanismes de financement souples et des financements dédiés à l'aide à la structuration et pas uniquement par le biais d'appels à projets. En tout cas, ce sont des mécanismes que le Black Feminist Fund a su développer et ce sont des mécanismes de financement basés sur la confiance. L'autre mesure, c'est aussi défendre et protéger les activistes et les réseaux de féministes en passant par une protection spécifique, mais aussi renforcer des activistes féministes, de défenseuses de droits humains, etc. Il faut que ça soit basé sur un principe de ne pas nuire, s'assurer que les actions qui seront entreprises et mises en œuvre par les gouvernements ne vont pas mettre en péril la survie et la pérennité des personnes, mais aussi des associations. Enfin, c'est soutenir les actions collectives et de solidarité transnationale. Le but, c'est vraiment de développer l'apprentissage, l'échange de pratiques entre les associations féministes, mais également les organismes de droits humains, et d'aider à se renforcer et à se structurer au niveau global et international. Il est tout aussi important de soutenir la capacité de l'ensemble des actrices, de les aider à faire mouvement, de renforcer leurs efforts de solidarité, afin de pouvoir mener le combat conjointement, tant au niveau local qu'au niveau national, qu'au niveau international.